dernière partie. Partie sauvegardée. Ça va, calmez-vous. Hey, oh merde. Take a look at what these marshals and Dorsey's got on them. Those marshals were colleagues of mine. I'm gonna guess you didn't kill them, but you need to put all those valuables back and walk away. Fat chance. We got guns and ammo now. We don't take orders from marshals no more. Carrément. Oh merde. Wow. Ça va, tu fais pas beaucoup de dégâts honnêtement. Ah, quand on a de l'armure, c'est pas la même chose. J'avoue que quand on a de l'armure, c'est vraiment pas la même chose. Mais bon, ça fait quand même chier. Toi, tu me fais chier le voleur. Alors, on a un lance-flamme. Ok, les pourcentages sont pas mal. Faudrait pas me faire chier. 17% parce que les... c'est trop près en fait. 53. 31. C'est quoi ça? C'est juste un baril. Ok, il y en a un là aussi. On pourrait faire ça. Ça leur fait pas mal de dégâts. Parce qu'elle a pas assez de PA en fait pour avancer, se mettre à l'abri. Ok, on est pas mal. On est pas mal. Frappe torrentielle. Donne 2 PA bonus. Ah, c'est vrai qu'on a ça. Alors attends, faut voir si ça sert à quelque chose. Là, on aurait 3 PA, sert à quoi? Strictement rien. On peut tirer au pistolet, super. Là, on a 0. Ouais, bof. Ça me fait chier parce qu'il y a beaucoup de gens en fait devant les cibles. Il y a beaucoup de gens en fait devant les cibles, donc j'ai peur que... On va voir, on va se mettre comme ça. Voilà, 192, très bien. Et là, elle a 3 PA. On va pouvoir se cacher quelque part. Toi, tu vas pouvoir te mettre là. T'as une grenade? T'as une fumigène, c'est pas le top. Ah, on a la frappe chirurgicale. Faire la frappe chirurgicale. Attends, je touche qui là? Je touche l'autre. Ah putain, on est mal. Fait chier. Vraiment mal fait ça. J'ai vraiment mal joué. Si on fait ça, ça fait 2 morts, ça nous évitera d'avoir plus de blessés. Ça fait 2 grenades hein, qui partent. Hein.
t'avais un tout petit peu oublié, toi. Je t'avais légèrement oublié. Putain, on est vraiment mal placé, c'est une horreur. Oh, le fils de pute. On pourrait la tuer, mais est-ce qu'on a vraiment envie d'utiliser de... Ah, ça c'est mieux. Ah, on a plus d'animaux de compagnie. Ah, on a viré le truc, c'est vrai. Ok, ça, j'avais peur qu'elle touche. J'avoue que le pistolet de près, c'est pas mal. Hein. Parce qu'elle, elle, en fait, elle est... c'est tout de loin. Tu veux même tirer encore un peu. Très bien. Oh mon dieu. Je l'ai pas. Pourri, honnêtement, notre on a balancé deux grenades, on a perdu pas mal de vie, mais bon. Ok, ça va. 84 pardon. Elle a vu sur le truc, 42%. Avec ça. On a assez de... 65%. Waouh! Il a fait des gros dégâts, là on a fait un tir... Je sais pas quoi là. Qui fait mal quoi. Oh, I need a band-aid. The size of a truck. Allez, tu vas avoir mal. C'était pour pas qu'il tombe. Quoique, putain, on aurait... J'aurais pas dû me soigner. J'aurais dû complètement aller voir le docteur. Ou alors le docteur, il est parti. Je sais plus. Bon, par contre, pour les grenades, je suis un peu deg, mais... Ouais, il nous en manque. Ça m'embête un peu, hein, mais bon. C'est fait maintenant. Ah non, on n'a plus rien. Bon, on a vu que ça se passait un peu mieux pour les dégâts quand même. Ça va, on a encore deux grenades. Un molotov. Il nous faut du soin.
Faut qu'on se fasse soigner par le doc. S'il est encore là, je me rappelle plus s'il est encore là. Okay, on a un fusil à canon scié, on a une armure d'éclaireur niveau 2. C'est quoi ça? Détecteur abîmé. Peine à ordure. Arme planche. On peut faire Lara Croft? Enfin, la nouvelle Lara Croft, la Survivor. Non, nope, ordure. Banane triste. C'est dur d'être mou. Oh là là, la blague. Ah par contre, tu veux prendre le chat avec toi? Comme ça, on a au moins un truc. Probation de coup critique et tout ça, ouais, c'est bien. C'est quoi toi? On te connaît toi? Jimmy Bob still standing. Ah non, on te connaît pas. No Dorsey's. You think a little raid would stop snapping Jimmy Bob? No siree. Oh hey. New faces. Let me know if you need to restock. I hear there's still some Dorsey's in the city. C'est quoi cet engin au bout de votre stand? Ah oui, ça. That's my prized possession. A genuine pre-apocalypse, fully functional microwave. Un micro-ondes, d'accord. I can cook up some truly gourmet delicacies with it. But the damn power got cut in the fighting. It'll take the city weeks to fix it. Ok. Commerçons. Alors, il y a de la bouffe. Donc c'est du soin, tout simple. Un canon. Cigare. Fumer pour avoir 10% de probabilité de coup critique pendant 36 tours. Donc subir ensuite pénalité de moins 10% de précision pendant 60 tours. Ça peut être pas mal de fumer des cigares en fait. Ou même des cigarettes, de fumer tout court en fait. Alors converti en dégâts de froid. Ah c'est un mode d'arme pour qui convertit en fait. Pénétration 99, d'accord. C'est comme ce qu'on a récupéré, je crois que c'était des dégâts explosifs. Là, un choc fou, lunettes d'agrossissement portée 2 mètres, dégâts critiques. Alors on a plein de trucs. Hein. Après on a des munitions en plus. Posséder 9. 39. On va prendre un peu plus de. Ça fait cher à chaque fois, mais. On a une tourelle de combat. Déploie une tourelle robotisée qui attaquera vos ennemis. S'autodétruit après la fin du combat. Et là, pareil, ça s'autodétruit. D'accord, ça marche. Vendre la canotte. Ah oui, après... Alors, ça, c'était quoi? Genre, vente de $2. L'armure d'éclaireur. Ok, ça avait parlé de... Prix 40 dollars, vente de $2. Ah, attends, si on va à un autre marchand, est-ce que c'est plus cher? Non, ah, bah, putain, il y en a des trucs, c'est quoi ça? Châssis de feu. Je sais pas ce qu'on a eu. J'ai pas eu le temps de voir en fait ce qui s'est affiché. Y a pas un journal? C'est, ça c'est bête qu'il n'y ait pas de journal pour voir ce qui vient de se passer. Je sais pas vraiment ce qui vient de se passer. Pardon. C'est pas grave. Je voudrais voir... Alors attends, ça. Hey chums, welcome to Taiwan Jones's Emporium. My store has sardine. Alors, si je veux vendre armure... Prix de vente $2. Ouais non, c'est bien $2 en fait. Ça marche. Donc, on avait parlé de mettre les trucs en pièces.
Ah, il faut une compétence pour ça. Tu te fous de moi? Quelle modification? Arme, armure, réparation de grippin, survie, truc d'intello. Il y a le marchandage aussi qu'on pourrait. Valeur de vente et tout. Ouais, ce serait pas mal hein, d'avoir marchandage au maximum. Alors attends, peut-être qu'il faut modifier l'armure. Il y avait pas genre ah démonter ah les armures on peut pas les démonter d'accord c'est que les armes ça marche ok tout le monde peut le faire hein, y a pas de problème hein. Je vérifie pour être sûr mais mécanique peut-être. Les objets essentiels mécaniques, réparation. Non, non, ouais, tout le monde peut le faire, je crois. Il n'y a pas de problème. Donc là, par exemple, on a deux canons de, fusils à canon scié. On pourrait faire. On fait voir combien ça coûte. Désolé, on fait des tests, hein, je connais pas. Hein. Hey, chums! Welcome to Taiwan Jones' Emporium! Sardines! Donc du coup, ça, ça serait prix de vente 5$. Ok, c'est rien du tout, le 5$. Démonter. Deux de ferraille. Ah ben, attends, ah, d'accord. C'est plus ou moins la même chose, quoi. Bon. Magasin étendu. Ça, c'est bien. Régulateur cardiaque. Qu'est-ce qu'on pourrait crafter de quelque chose qui nous serait utile? 39. Pour des hypomèdes. Là, c'est des munitions. Grenade à frag. Pour l'instant, on va se débrouiller avec ce qu'on a. Faut qu'on se soigne. On va d'abord aller se soigner. Si le mec il est toujours là. Rangers, I'd chat. But there's Rangers, I'd chat. Merde. But there's a lot to wrap up before I make my way to your headquarters. Et merde. Ok, on va rester comme ça. Parce que j'ai pas envie de gaspiller des soins. Et on va sauvegarder automatiquement. Et si jamais il y a un combat, on se soignera. Oh, il y a un truc là. Peut-être aller à l'intérieur. Ou alors il faut plus de perception. Crochetage. On doit peut-être pas être là. Musée du patrimoine Colorado. What the fuck? Ah, c'est des animatroniques, ok. Oh! On peut leur tirer dessus? Ouais. Bizarre ça. Il y a des animatronics de partout, c'est chaud. Je me demande si on peut prendre leur équipement. On fait un test? Vas-y, on fait un test. Strictly prohibited. God. Jesus! Patch me up already!
crois qu'on va avoir des problèmes. Ouais, non, il y en a des petits. Oh, ouais, il y en a des petits, mais il y en a avec 200 plus de vie aussi. Ok. Donc on a un robot vivant. Octobre 11. Ah, on avait vu un... Je crois que c'était pour la fabrication... Non, modification d'armure, je crois. Où il fallait robot, je sais pas quoi, là. Peut-être que on a trouvé. Yeah, this whole place is a gloss. But who wants to hear all the ugly details? Avant la fusée shérif décidé d'utiliser un combat à côté de Patrick. Dans la guerre contre les gangs des plaines, elle a été nommée shérif du Colorado Springs pour conseiller le courage et risque notamment. Ok, c'est cool. Alors, Rick McKay est coiffé d'un chapeau bleu, blanc, rouge, ça fait son gros super choix. De machin, créer son propre véritable leg américain, ça ira comme ça. Great! Then on with the show! Ah merde. Youngest son of the Buchanan clan. J'ai pas vraiment envie de lui parler, honnêtement. Uniforme, soldat armé des monstres. On a quoi? L'arme d'un traître. Je me demande si on peut pas récupérer tout ça. Ouh, des membres cybernétiques. C'était bien lui, hein. Le port d'un costume ne marche pas, on n'a fait rien d'autre de particulier. Mais votre radio capte d'étranges bruits dans ce coin de la pièce. Il n'y a aucun signe de ce qui pourrait être la cause. Ok. Costume de marque. Oula, ça me rend fou là cette musique. Puis en plus il y a les autres derrière là. Oh mon dieu, ça m'en fout. Oh mon dieu. Ok, nouvelle recette. Ready? Let's go!
Ok, alors là on a une arme spéciale. Enfin spéciale. Science étrange, alors. Ah merde, ces trucs d'intello. Y'a personne qui a science étrange. Merde. Pourquoi t'as le gros dur toi? Merde. Ouais, donc il nous faudrait la science étrange. Mais on a personne avec de la science étrange. Moi j'aimerais bien avoir un mec de lourd. Non mais il y a Zeus qu'il faut changer. Il y a ou Zeus ou Thunder qu'il faut changer, honnêtement. Type de munitions, cellule d'énergie, capacité de munitions 10, portée 9. Après les dégâts sont pas énormes, 5-6. Mais c'est spécial. Bon, je sais pas ce qu'il y a avec lui. Oh, musée brûlée, semble fermé. Par contre, ils vont où ces câbles? Ah, attends, si t'allumes les deux. Ok, je sais pas ce qu'il faut faire en fait. On va se casser pour le moment. Ah, attends. Je sais pas ce que ça voudrait dire là, le câble. Il faut le suivre. Est-ce qu'on n'a pas assez de perception? Il y a un truc caché. Bon, allez, on se casse. Pour l'instant, on va se casser. On reviendra plus tard. Pancarte. C'est vu que ça a l'air chouette. Faut d'une femme. Ça marche. Tas de neige. L'ensemble des boules de neige, une urinée sur le tas de neige. S'éloigner. Attends, qu'est-ce que c'est? Vas-y, on va faire de la neige jaune. Rassembler les boules de neige. Jaune. X 5. Ok, cool.
Puis on en a vraiment... Ouais, on a 13 maintenant. Que c'est vraiment appliqué, remue... Ouais. Je sais pas si ça vaut vraiment la peine, mais... Pourquoi pas. On en prend vraiment 5 à la fois? Ah ouais. Plein de chiens. On va garder le chat. Boss said we're closed till further notice. Boss said we're closed till further notice. Bon allez, on se casse, ça m'a un peu gavé là. Ça m'a un peu gavé, on y va. C'est qui, maman? Ah, maman. On lui a déjà parlé ou pas? You got business with Mama Carter? Ouais. Ha! No, you don't. Come back when you do. Until then, scram. D'accord. Si je détruis tout, si je brûle tout ton camp, est-ce que tu vas vouloir nous parler ou pas? Always something else to fix. Like an old dog sometimes. It won't learn new tricks. That doesn't mean you can't trick it into doing what you want. You keep saying that. But this truck's dead as good manners. I'll tell you what. Enfin, moi, je voudrais plutôt aller au... rentrer au QG. Pas aller sur la carte. C'est du russe. Désolé, je parle pas le russe. Je ne parle pas le russe. Français, anglais, ça passe. Je suis allé où, moi? Ok, je suis revenu ici. Fallait pas. Par contre, on a un point d'exclamation. D'interrogation, pardon. Right, let's get to work. A little bit of spit, a little bit of shine. On peut te dire de venir, toi? What can I do for you? Sur vos employés. Co-workers, not employees. I only give the orders because I take the orders, get me? Anyway, Fastback's the old one. Been with the station almost as long as I have. Wrench, the tall fella, thinks he's a heartbreaker, but he's the most sentimental sap you'll ever meet. And Pacer is our newest recruit. Don't mess with her. She's 10 pounds of attitude in a 5-pound bag. Vous êtes tous les Arafaos ici. At the moment? Yeah, I guess so. Driving and wrenching has kind of become the Arapaho brand. We pride ourselves on being the best mechanics and couriers in the West. Alors, que vous recrutez des étrangers? Sure we do, if they're good enough. Takes a lot of skills to be better than an Arapaho, though. Well, except for those of us who run the stations. We mostly live on the road. The people of the convoy, some folks call us. And we've turned that way of life into a business. Arapaho service stations, Iron Thunder Logistics, Arapaho Caravan Protection, and so on. While other folks were eating each other in the suburbs or fighting over mansions in Broadmoor Heights,
We kept to the wildlands and didn't come back until civilization had reestablished itself. And when we came back, we came with services people needed. Transportation, protection, and repair. Been living well ever since. You take care now. Okay. There we go. Smooth as the devil's lies. Back on the road. A little bit of spit, a little bit of shine. The station is nice enough, but convoy life is better. Bomba, I guess. Attends, est-ce que... J'ai cru avoir pris le QG, mais apparemment on n'est pas allé au QG. Took a long time to heal, bro. But while I was waiting for the skin grafts to set, I got an idea for an even more radical build. You heard of nail guns, right? Well, I'm gonna build a nail mini gun. That's right. Stay tuned. Cool. Cool, cool, cool. Il nous faut plein d'argent. Je sais pas comment on va se débrouiller, mais il nous faut de l'argent à tout prix, quoi. Ça marche. Docteur, il s'est mis où le docteur, du coup? Ah, là, peut-être? Yes. QG dérangé infirmier. Vous avez accès à l'infirmerie, ça vous permet d'acheter du matériel médical. Vous pouvez aussi parler au docteur pour recevoir gratuitement des soins, y compris soigner tous les membres de l'escouade neutralisée. Cool. Hey, Rangers. I'm here at last. It'll take a while, but I think I'll be able to make an actual surgery out of this place. Just need to call in a few favors for equipment and supplies. Good. If you need treatment now, well, I think I'm ready for that. What do you need? Besoin de soins. Of course, no sense in bleeding all over the place. Have a seat. Parfait. Commence par votre passion. Everything is fine. For now. Ouais, toi tu me mens. Alors, matériaux, vous pouvez me vendre. Réduction de 10%. Not much yet, but... Ça c'est pas mal. Car on n'a pas vraiment besoin, mais c'est pas mal. 18, c'est pas cher en fait ça. Quantité possédée 3. Il y a personne qui est bon pour le marchandage. On est d'accord. On peut acheter ça, genre. On a 3, on prend 5. 3, 6. Ah, juste au cas où. Très bien. On va regarder s'il y a des endroits qui ont un peu changé. La radio qui marche. Good to see you. Donc j'ai un ranger actif. Vous allez devenir notre chef de la sécurité. Vous pouvez en savoir plus sur vous. Happy to tell you what you need to know. Vous serez aux côtés du patriarche en si longtemps. Vous devez l'apprécier pour d'autres choses. Apprécier. I do indeed. Some folks can't get past his brusque ways, but that's just the impatience of a man who knows what's right. Dealing with fools who don't. He cares too deeply about the well-being of the people of Colorado to let political courtesy slow him down. Of course,
you'll hear a lot of folk condemning him for hurting this group or that group with his decisions. But the way I see it, they should be glad it wasn't them who had to make the choice. Well, came here with my folks when I was a kid, and was a young man when Saul was trying to unite the families and make Colorado a state. I got behind him right away. He had leader written all over him, even back then. I've served at his side ever since, fighting against the monster army, consolidating power here in town, helping him expand our borders. What Mr. Gradsky means is that he played a key role in many of the Patriarch's greatest victories, and he had no small part in making Colorado what it is today. You're too kind, Darius. Well, the fighting's never really ended. Trying to hold it all together is a constant struggle. This business with his children is just the latest in a long line of troubles. Au revoir. I'll be here. Ça me saoule un peu en fait. Alors. Alors lui il s'occupe de la radio. Welcome to your communications hub, Rangers. The Patriarch was good enough to let me use my own gear. And I have my high-frequency radio equipment all set. From here on out, I will be your voice in the wind. You can contact Ranger HQ at any time through your radio, and I'll reach out as needed. When there's arrest to be made under your authority, just radio them into me. Pleasure to serve. Parfait. On peut expliquer ce que vous faites. Installer IA dans vos équipes, vous êtes un expert. Oh, I'm not. It just turns out artificial intelligence isn't that much different from fiddling with radios. Easy enough to install it turned out, but I wouldn't know the first thing about it otherwise. Okay. Anytime. Ah, on a du crochetage maintenant, on peut faire ça. Le journal, un spray d'aquanovide. Je crois qu'il y avait d'autres trucs livres. Bon, parfait. Je suis en train de me demander si on devrait pas virer l'autre tireur lourd là, encore une fois. Hein. J'arrête pas de me demander ça en fait. Vraiment en train de me demander ça. Genre lui. C'est la différence, c'est quoi hein, c'est crochetage, arme lourde, modification d'armure. Après, elle a de l'explosif qui sert pas à grand chose. Lui, la modification d'armes, mécanique, arme lourde, des trucs d'un télo. À la limite, c'est elle en fait qu'il faudrait virer. Armure, elle a là. C'est elle qu'il faudrait virer en fait. Ah, je suis en train de me demander. On va voir ce que font les réfugiés. We're cool, right? We're cool. Plenty of space for you, plenty of space for us. Everything's cool. Cool. Ever wonder how those refugees are getting into Colorado? Marshals run a pretty tight ship. Feels a whole lot safer around here. Now that the Rangers are in charge, feels a whole lot safer around here. C'est des nouveaux réfugiés, j'imagine. Mon Dieu, qu'est-ce qui t'a fait? Ah non. Good luck out there. Je croyais qu'on l'avait fait sortir. Oh hey, hi again. What's what can I do for you? Later dudes and Ouais. Don't forget to think about getting this door open. Ouais, non, t'inquiète. T'inquiète, on va pas faire ça. On va voir pour les animaux ce qu'on a. On va peut-être voir pour d'autres rangers. Un autre ranger, voir si on a un sympa ou pas. Chat, chien, Billie Jean. J'ai envie de prendre Billie Jean.
Toi, tu veux toujours pas venir? Ok, cool. Chien, 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 chien. Billie Jean, prends. Un dégât critique, voilà. C'est parti. C'est où qu'on... C'est toi? Non. Comment on récupère des nouveaux... C'est lui qui faisait ça? Des nouveaux rangers? Je m'en rappelle lui. Rangers, good to see you. Gérer nos rangers actifs. Let's have a look. Ok. Worried about the future. They can sense Colorado crumbling. Réentraîner. Feeling every man for himself again. Faut payer ou pas? Oh la vache, 200. That's what we're here to do, Marcelo. That's what all of this is. Ah ouais, d'accord. OK. Pour l'instant, ça va rester comme ça. There you go. Anything else? D'accord. Et après, j'imagine que si on doit les virer, elle sera sûrement plus bas niveau. Si on prend des nouveaux rangers en fait. Donc ouais. Du coup on va rester comme ça. Allez, on va avancer un peu. Là on a de l'équipement, on a des balles, on a peut-être des grenades. Il faudrait peut-être, on peut peut-être en construire, une fabriquer une ou deux de grenades. Où est-ce qu'on est? Attends, où est-ce qu'on est? Le garage? Please, my son, you don't look like marshals. Do you work for the patriarch? Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, pour l'instant, ça dérange un autre qu'on a besoin de notre aide. Then my boy needs your help. He's going to be executed. And they won't listen when I say he's no killer. Judge Watkins has sentenced my son to die. Austin is all I have left. Everyone else died on the plains. Ah, ils sont pas nus, non, ils sont en sous-vêtements. He's a good boy. He never hurt anyone. I'm sure of it. Please. Maybe Watkins will listen to you. Qui est votre fils? Austin Pease, the skinny boy up on the platform. I can't imagine he killed anyone. We've seen enough death on our way out here. He never wanted to hurt anyone, ever. Ok, Austin Pease. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il était condamné? I know why he was rounded up. He won't tell me. Says he's embarrassed. I know they caught him doing something wrong, but he says he never hurt anyone. If you talk to him, maybe he'll tell you what happened. Sometimes it's easier to talk to a stranger than your mother. I know that much. Please, help my son! How does it feel now? Bastards! Ok, c'est lui. On arrive. On va discuter un peu. Il y a un cadavre là. Sorry, I didn't mean to ignore you. Just got a lot on my mind. Non, non, c'est le contraire, marcheur. Made a real big mistake. See, the Plains gangs chased my mom and me off our land. We lost everything. Heard this was a place of God-fearing people and thought they'd do right by us. People here kept us out in the cold, letting us starve to death while they sat inside, warm and fed. Then the Dorseys came and gave me some food and some kindness and asked me to do some vandalism. I figured what was the harm? I never killed no one, but I did bust some windows. Marshals caught me doing it, and they said I was working with the Dorseys. Magistrate agreed, so here I am,
Mom would have talked me out of it. Should have talked to her first. C'est tout? Qu'on puisse vous libérer, qu'est-ce que c'est? Magistrate's a hard man. I wish I could believe it'd work. I'd do anything for someone who could get me free without hurting anybody in the process. Guess I don't have any money to give you, but I'd pay you back in hard work, if you'll have me. Vous savez vous rendre utile? I'm used to hard work around the homestead, and I ain't too bad with a gun either. My folks made sure I could hunt and fight. Je suis en train de me dire que lui il va avoir genre crochetage 5 ou 6, donc on n'aura plus besoin de crochetage. I always dreamed of coming to the big city and being a newspaper man. Si on arrive à le récupérer. Interviewing people, telling the truth about how things really are. Sure didn't turn out like I hoped. C'est quoi votre peine? Magistrate tells me it's death. Ah, carrément. They're strip me down and tie me to those things. And they're gonna let the cold do its work. Cool. I wonder if it'll hurt. Wish I could tell you it won't, kid, but that'd be a lie. Hello. No, I was never no desperado. Don't rightly know why I let myself get caught up in this. C'est bon, ça les bières d'espérance. But if I'm to die, I'd at least like to do that right. Gonna do that like a man. Nice talking to you. His kid's going in the pillories next. On dirait d'Orsay que vous avez essayé de sauver. Ah, ils l'ont tué. His kid's going in the pillories. Still here. Not looking forward to what comes next. We were starving. No two ways about it. Avant enfreint la loi, vous avez fait attraper l'air juste. Le punition n'a pas l'air adapté au crime. I thought it was too harsh. But what happens if I speak up now? Will they come after my mom? Nice talking to you. His kid's going in the pillories next. C'est peut-être pas lui, le juge. Oh, le juge. Falloir que tu nous donnes le gosse. Howdy, Judge. How's your heart? Still colder than a well digger's ass? Marshal Kwan. Impertinent as ever, I see. T'as quoi comme arme? T'as un truc laser, toi. Je sais pas si c'est une arme à feu ou une arme. Enfin, une arme laser de qui tire ou, une... ou un bâton laser. Rangers, I am Magistrate Silas Watkins. I have heard of your rival. Partly from the confessions of the Dorsey Raiders, you'll be pleased to know that I sentenced them to death for their part in the attack on the city and your convoy. Which reminds me, that Dorsey you requested stand trial? He was clearly guilty and sentenced to the pillories. A waste of my time. He did have this note, though, which you may find interesting. Tuer personne, comment peux-tu libérer? His crimes are still severe. He was part of the Dorsey uprising. He caused significant property damage. His actions diverted marshals from responding to reports of attacks, magnifying the harm the Dorseys were able to inflict. Argue a case, and I might show lenience. Okay. Alors là, je suis il a accepté de travailler uniquement parce qu'il mourait de faim, justice équitable lui rend le sens de travailler sur faire pardonner les infractions mineures. Si le ranger vous dédommagez, prenez garçon sous tutelle. C'est pas un mauvais gosse. Il est trop jeune pour être condamné à mort. Pas autre chose. Ouais, on va faire l'HQ4. I am not certain you truly understand the patriarch's justice, but your words ring true. Perhaps death is too severe a punishment. Parfait. This is irregular, but it is within my powers to grant you full custody of Austin Peace. You should inform the boy. Best he hears the good news from you. Cool. Hey, gamin, viens avec nous. Still here. Not looking forward to what comes. Alors, on parle au jeu, dit que vous rachetez, mais vous voulez travailler pour nous. What? Are you serious? Notoriété augmentée. You really saved my life and. And I get to be a ranger? Ouais, alors t'es juste un follow. Hein. Soon as they let me free, I'm going straight to your headquarters. I'll do whatever you need me to do. Clean guns,
scrub toilets, you name it. Thank you. Thank you. Ça marche. Thanks, Rangers. Can't wait to get out of here. Ouais, on va parler à sa mère. You Rangers are heroes. Yeah. I'm gonna tell everyone Watkins what must you did, Vanessa. I thought Rangers. What brings you here? Pourquoi les pilleries? They are the only instrument of justice we need. Donc, une mémoire de froid, elle n'arrivait à accorder sursis après qu'une engelure a importé leur rituel. Ok, ça marche. Mémoire de froid semble sévère, mais pas de châtiment ici. Camp de travail dans les plaines. Minor infractions like public drunkenness or disorderly conduct. Puni par un court séjour dans la prison du shérif. Proceed. Indeed. Ok, donc là. How can you be dead? If it's too dangerous for you, Marshals, finally. I was beginning to think you were never going to help. Quoi? Hold on now. You aren't marshals. You look like ruffians. Whoa. Are you here to see the sheriff? Well, I'm first. I've been waiting here on tenterhooks for an hour. Vous êtes toujours si mal poli. I'm sorry. I was raised better than that. It's just I am under considerable duress. My family has been kidnapped by those no good Dorseys and the marshals will give me no answers about their situation. They won't even speak to me. I must know how the sheriff intends to rescue them and when. Si tu viens avec nous, on peut y aller ensemble. Marchand, on est un peu débordé en ce moment, en fait, qui êtes-vous? My name is Lucia Wesson, daughter of Percival Wesson and Maria Reyes of the Hundred Families. Ça a l'air d'être une cow-boy, je me demande si elle est pas au revolver, elle. But now they and my little brother have been kidnapped by those good-for-nothing Dorseys, and I fear for their lives. Vous avez entendu vos chéris, vous rendez-vous, vous en parlez aux chéris, voir ce que vous pouvez faire. Ça m'arrange à Ronda pour nous vous aider. Well, you look capable enough, but I don't know you from Adam. Why, you might be robbers or bandits. Ça marche. No, thanks all the same, but I think I'll continue to wait on the proper authorities. Sheriff Daisy, I would not appreciate the chance. Please put in a word to the sheriff for me. If she'd only lend ça me marche. A marshal or two, I'd rescue my family Deputy myself. Torres, will the sheriff see me now? Not yet, Miss Wesson. Please be patient. Sheriff Daisy's looking for you. Toi, ivrogne. Must be drunker than I thought. Did someone yell something about Dorseys? Table. C'est quoi qui fait ce bruit-là? C'est des jambières qu'on a mis? Je sais plus. C'est pas grave. Oh, ok, personne ne nous voit. Ta-ta-da. No great rest! No great vengeance! Wow, ok. On va se calmer là. C'est rouge. Putain. Alors, pané hydroxy. Les cigares, je sais pas ce qu'on fait. On les met en raccourci ou pas?
Je sais pas si ça serait utile en fait de commencer à faire ça. Par contre, fais voir un peu les objets. Grenade, molotov, soin, grenade. On va mettre un soin là. Et là, on aurait deux soins. Parce que. Bah, j'en sais rien en fait. Je me demande si on va vraiment l'utiliser un jour le roquette. Enfin, c'est... ouais, non, c'est pas mal, elle. Sniper et roquette. Enfin, ouais, sniper explosif, c'est pas mal, je trouve. Je suis en train de me demander si on devrait pas lui mettre deux grenades à elle. Parce qu'elle a. Elle a explosif, donc résistance explosion et bonus dégâts d'explosion plus 15%. Rayon de déflagration, ouais, ça peut être intéressant. Ah! Ah, ça me rend fou ça. We should build some more watchtowers. Miss Wesson, could you. I'm sorry. I'm sorry about that. Are you the Rangers? Oui. Thanks, Torres. On va aller un peu plus vite des fois. Très sur quoi? Quand c'est que vous serez le chef Daisy, vous dire sur le Marshall. Chef Daisy. Don't blink. Ok. Très sur quoi? Reports. The Dorsey raid really tore up the town. Murder, looting, fires. They even attacked this station. Thanks. If you've got any feedback, be sure to fill out a form. Cold and shitty day, ain't it? How's your family? My mom and pa are safe. Still haven't heard from my sister. She was working near the... Ouais, c'est parti. Well, now you must be the Rangers. I'm the sheriff around here, but you can call me Daisy. Old Saul tells me you're a bunch of badasses, and I ain't one to turn away a badass. Especially at a time like this. T'as un nom de merde quand même. I reckon you already heard all about the Dorsey raid, so I won't bore you with the details. Suffice it to say, we whooped them good, and the survivors are holed up in the Garden of the Gods with a bunch of hostages. Enfin, un nom de merde, c'est pas de la merde, mais Daisy, c'est... Enfin, tu t'es fait charrier à l'école, j'ai envie de dire. Thing is, I lost a lot of marshals. My boys and girls are tired and beat up. You want to make some fast friends around here? You could go into the garden and speak to those Dorseys for us. Maybe find out how the hell they got into the city in the first place. Ah, interrogation. And by speak, you mean shoot the everlasting shit out of them and save those hostages, right, boss? Quan! I hear you're some fancy liaison now. Old Saul taking my people without even asking? How dare he? Anyway, yes, you rascal. That's exactly what I mean. But... Ma'am, yes, ma'am. Ouais, bon, j'ai rien dit. Vous parlez, vous allez secouer la famille de Dorsey. That girl? You think I ain't heard her yapping? But I got a couple of 50 other people yapping at me, too. Tell you what, though. Her people are 100 family folks from the fancy side of town, so they got some pull. You can do me a big favor and kill two birds with one stone if you take little Miss Wesson with you when you go to save them. In fact, I'm gonna insist on it. I need that girl out of my hair. I'll let Lipinski know you're bringing her along. He won't let you into the garden without her. Don't worry. She knows which end of the gun the bullets come out of. Wow. Go in there and kick some ass, Rangers. Ça marche. Viens avec nous. I'm not sure. As Sheriff Daisy told you, they and some of our neighbors were taken hostage by the Dorseys. Ouais, non, mais je m'en fous. And I mean to free them. All of them. Le chef Daisy n'a rien dit. Avant d'aller où que ce soit, parlons de votre expérience de combat. Certainly. My father taught me to shoot almost before I could walk, and I'm the best shot in the city. Wow. Carrément. Oh, it's true. She's a prodigy, all right. Also a pain in the ass. N'importe où tirez bien, vous n'avez pas un enfant au combat, vous êtes sûr de pouvoir laisser ça aux professionnels. Très bien, allons-y. At last. Yes. T'as un équipement qui est super classe par contre. Recette de découverte, mission calibre 38. Cartouche de fusil à pompe. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Ça c'est bien, c'est parce qu'elle est venue chez nous en fait. Calibre 9 mm, cool. Et est-ce qu'on perd toutes ces recettes si jamais elle quitte le groupe ? Ça par contre c'est une question que j'ai. Bon d'accord, on va sauvegarder d'abord, on va faire une belle sauvegarde. Ça fait longtemps qu'on n'a pas sauvegardé. Voilà. Alors fais voir. T'as la classe. T'es sympa. Alors donc elle a un bon revolver de Lucia Wesson. T'en es pas une attaque très rapide, coûte que 1 AP mais à 60% de précision. Enfin moins 60. 35-43 de dégâts, mais c'est du calibre 38. Ah ouais c'est vraiment le bon revolver quoi. Pas mal. Et calibre 38. Du coup, tu vas prendre ça. Techno cyborg. Ouais, il nous faut un cyborg en fait. C'est un molotov. Faut voir un peu tes compétences. Donc arme de poing. Elle est niveau 5 après la modification d'arme. Donc on n'a même pas vraiment besoin de modification d'arme. Ça ferait 3 points à remettre. Elle a marchandage. Oh, ça c'est bien ça. Et survie. Les animaux et les mutants. Pas mal. Faut voir conscience, précision, perception, dégâts à distance. Après l'intelligence. Pour les coups critiques. Et elle est bandit. Taux de frappe plus 5%. C'est pas mal. Je pense que elle peut être pas mal. Puis bon, modification d'armes, marchandises, ça c'est bien. Ouais. Il y a ces deux-là, on n'est pas encore 100% sûr à qu'est-ce qu'on va en faire en fait. Hein. Je vais être honnête. Hein. On n'est pas 100% sûr. De ce qu'on va en faire. Pour l'instant, nos persos, ils sont très bien. Ils avancent bien. Après, les deux là, je sais pas. On va voir. Ah, et la fabrication, donc on a ça nous, objet mystère. Snake, persion, ok, ça marche. Qu'est-ce qu'on a là donc ? Cartouche de fusil à pompe, calibre 38, du 9 mm, ça c'est bien. On peut quasiment tout faire en fait. On a tout pour toutes nos armes sauf le lance-flamme. C'est tout. Neige jaune, grenade à frag. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mode d'armes. Oh, on a plein de modes d'armes. Et tout ça, on les a gagnés parce qu'elle est bonne en arme de poing. Ouais, non, c'est ça. Calibration, truc, c'est à pendre, ok. D'accord, et modification d'armes, pareil. Artisanat, ouais. D'accord. Démontage de ferraille. Plus 40%. Ok. Très bien. Alors, on va défoncer bah, les autres, alors, du coup. C'est à la porte. Y a le mec, là, je sais pas ce qu'on en fera. Thanks, Rangers. Can't wait to get out of here. Let's get stuck with the shit patrols. Burning a bunch of dead Dorseys. A lot of folks were shot down in the street. Martians. Cleaned up most of the bodies already. Donc, c'était la porte ou qui était gardée par le mec, je pense. New in town? Did you hear about what happened? Pas qu'il y a eu des problèmes, mais c'est actuel du coin. Yep. I work for the Colorado Patriot, only newspaper left in America. Comme Metal Gear Solid 2, c'est ça? Happening in the city and what they should be careful. Might still be Dorsey's hiding out in the city. Rassembler les boules de neige. Fais voir, ça fait quoi les boules de neige?
Applique gel. Okay. Why else would I even keep a shotgun around if and I don't use it? Do you know who those outlaws are, Josiah? They're Dorseys! Sarn it! You Dorsey peckerheads, get on out of there! Hush up now, Josiah. You can't go in there alone. They'll kill you. You think I can't handle myself? I've put down worse than these in my time. Since when? You, will you help me talk some sense into this old fool? If he goes after those Dorseys, he'll get himself killed. Pour ne pas laisser les professionnels s'en charger. Vous voulez de l'aide chez les Dorsey, comptez sur nous. Finally, someone with some spine. Par contre, on est plein. I do it all myself, but since you're new in town, I figured you'd need to show your mettle. Josiah, don't you do this. Let these people handle it. They've had plenty t'as un of fusil experience pas mal, en plus. By the look of them. Well, I'm ready when you are. Restez ici. Thank you. Keep an old man from killing himself, will you? Killing myself? Can't you pretend to have bon, to do this? You'll get a nice discount at the shop. Assuming I still have a shop by the time it's all over. Well, go on then. Ok, ça marche. Je pense que c'est parce qu'on est plein. Ouais, je suis quasi... Ah, mais d'accord, ça descendait là, en fait. Okay. Je pense que parce qu'on est plein, donc du coup, on n'avait pas le... Genre, le... L'option pour dire de venir avec nous. Je crois que c'est ça. Alors... Hotlanders, we thought you was all dead. Back off! Très bien. On est mal placé, hein, mais... mec dedans. Ça va. Pas de tour. Je pense pas qu'on en ait besoin. Là on peut avoir deux PA en plus. Fais voir toi. Ouais, faut vraiment que tu t'avances toi. Putain, fais chier. Oh! Elle a un truc de chance! Waouh! Putain! D'accord, ils sont vénères! C'est qui est contre les humains? C'est que la nôtre, hein, c'est que Fury, hein, je crois. Toi, t'as quoi? Toi, t'as une arme à feu. Ouais, donc on peut pas les... Il faut les mettre à couvert à chaque fois. Je... 95% si on se met là... Pas trop le choix.
fait chier hein, de mêler. On a encore pas mal de vie. Hein. Oh, ça, c'est pas trop grave. Ok, très bien. Ça va. Bien joué. Mal. Ouais, m'a étonné aussi. Cool, on a détruit ça. Sa barricade. Hors de portée. Ouais, ça va, on va le tuer. C'est quoi ça? Arme blanche. Okay. Donc là, toi, t'as... Quel couteau supplémentaire. Yeah. Shred the need. You're the best. Je pense que c'est bien d'utiliser ça. On a 9 en plus. 41% de soins. Et ça donne ouais, c'est pas mal, 58%. Ouais, non, je crois que c'est bien aussi de soigner avec ça. De toute façon, faut un peu utiliser les choses qu'on a. Hein. Ici, alors, crochetage niveau 5. Merde. Crochetage. Tic à crochetage, c'est toi. T'es 4. Pas grave. Chinois. Je me demande si on peut pas, si on augmenterait sa chance au max, on aurait plus d'objets de genre secret, enfin pas secret mais spéciaux quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je me demande si on peut tirer sur ça. C'est bloqué. Peut-être avec un explosif. On va faire les tests que je sais pas si ça marche en fait. Donc on va tester. Non ok, ça marche pas. Je voulais voir si c'était... Je pense que dans le 2 il y avait un peu un système comme ça, qu'on pouvait faire sauter les portes avec les explosifs. Je suis pas complètement sûr. Je me rappelle plus. Mais bon, maintenant on sait au moins. Par contre, j'ai vu qu'elle avait que... Ce truc. Ah non, non, elle a 2 grenades, j'ai oublié. Boy, thanks again for taking care of those Dorseys. We'll clean up the old store and make it good as new. Pretty soon we'll be selling suits, pants, hats, and all the rest. Finest garments in town. And here, a little token of our appreciation. Come on back after we reopen the shop. You've got our gratitude, Rangers. Come on back after I open up my shop. Hi, y'all! Name's Snappin' Jimmy Bob. Oh,
That's my prize, commerçant. On fait voir un peu. Là, on a quoi? Genre 5% bonus de marchandise, moins 2%. Ah oui, ça va, on n'a pas besoin de se mettre sur la personne en fait. Ça marche. Très bien. Ah, là, c'est toujours 9$. 37. C'est quoi? Calibre 50. Ouais, calibre 50, ça va être sympa. Hein. Si on augmente notre snipeuse là, si on augmente Fury, elle va pouvoir utiliser du calibre 50, à condition bien sûr de trouver une arme, hein, mais ça peut être vraiment sympa. On a 400, c'est bien. Ok, maintenant c'est l'heure d'aller là. Allez, faut que tu ouvres, mec. Oui. Marshal Lupinski, I expect you to moderate your language in the presence of a young lady. My apologies, Miss West. I meant no disrespect. Best of luck to you and your companions here. Comment ça? No room for amateurs in this town. No room. Ok, c'est parti. Jardin des dieux. Donc on aurait pu faire ça genre avant de sortir sur la carte du monde. Je suis en train de me dire. On a vraiment fait les choses dans le désordre. Mais genre c'est ça prend 5 ans quoi. Whoever just came up from the city, come in. This is Bellamy Ward. There are Dorseys all over the garden. I'm pinned down on a high ledge. Can you reach me? C'est un avantage d'essayer une seconde pneu d'Orsay, ça ne vous garantit rien, donc on compte bien tuer tous les d'Orsay qu'on croisera. Arrêtez de chialer, restez où vous êtes ou laissez-nous occuper des d'Orsay. Attendez, ici on s'occupe des d'Orsay. Oh, thank God. I'll call out if I see you. As long as it's safe. Ça marche. Hey! You on the ledge! Hands up! Oh no! Bah merde alors. On a des poules. Bloc de glace. Immunisé. Ok, ça marche. Lance-lame. Oh. Cool. Cool. Attends, je sais que l'autre il combat, mais... Oh, on a du KU-30-06. Donc, on a un lance-flamme. Tu vas voir, là, t'as 10-16 et là, t'as 16-22. Ok, parfait. On a un meilleur lance-flamme. Tout ce qu'il y a. Discutons. You saying I'm a child? You're the one who's in for a whooping. Can't shoot me now. Oh la vache. The bleeding will cleanse ya. Whole lot of blood. Ah.
Nul. Mal. 3 ici, c'est de la merde. Attends, c'est sur les capacités. Non, c'est pas trop tension. D'accord. Ouais, j'avoue que c'était pas mal. J'avoue que c'était pas mal. À 2 PA. Très bien, il a coupé le bras. Ah putain, on n'avait pas chargé le truc. Bon, on va faire du lance-flamme. Très bien. 3 PA. Okay. Ah, on... Hein. Bref. Ah non, elle a pas assez. Bon, c'est pas mal. Bon, on devrait survivre. Ok, ça fait quasiment aucun dégât, c'est bien. Par contre, ils font chier. Ok, très bien. Je balancerais bien une requête, honnêtement, mais faut pas exagérer non plus. Les pourcentages sont très bas. Voilà, parfait. Ah, ça... J'ai cru qu'on avait détruit la... Ok, ça passe. Je pensais qu'on avait détruit la... la couverture, mais apparemment, la cover. Très très bonne précision, elle. Font chier avec leur saignement, par contre, putain. J'ai envie de dire, en fait, on pourrait rester
Non, reste loin en fait. C'est à le moins d'armure. Elle, par contre, elle va prendre cher. On n'aurait pas dû la mettre là. Enfin bref, c'est pas grave. Ouais, on devrait mettre que... Ouais, voilà. C'est bon. On devrait mettre que les gros tanks en fait en premier. J'ai été con, j'aurais dû la reculer, la fille. Oh God, did the patriarch send you? I'm sorry. I need to warn you. The Dorseys are gathering up ahead between the gateway rocks. Bellamy, look at me. Have you seen my family? Are they here? Lucia, I thought you were with your family. Oh, thank God you're not. Thank God. They went up ahead with their hostages, but. Lucia, I heard gunfire and screaming. You need to be ready for the worst. If they've done anything to my people, I'm going to end them all. Please do. De toute façon, on doit tous les tuer. I can to help. It's not much, but... Ça va me poser des explosifs partout. God no, I was stalling for time. Ah. If I had a few hours in the right chemicals, though, I could have prepared quite a surprise for them. Où sont les otages? I think they took everyone to their camp, just past the gateway rocks. D'accord. What about my family, Belle? Vous voulez pas vous avancer pour discuter? I saw them. They were all right. They were scared and a little banged up, but they were still alive. My name is Bellamy Ward. I'm a scientist. I invented the solar collectors and experimental farms on top of the rocks. Cool. I was there. Oh, merde. Savages. Animals. They beat those people. Laughed at them when they begged for their lives. The kids were screaming, so they beat them too. Then they dragged them all further on toward their camp. Ok, 15 UG pour les collecteurs solaires. Mécanique, comment vous avez assez d'énergie sur avec ce temps? The PALs, photon amplification lenses. They harness and focus the ambient light. It's fascinating, actually. They polarize the waves and create constructive interference. Cool. Normally, they maintain a stable temperature for the plants, but they can be adjusted to help power the solar collectors or even thaw frozen components. I once coupled a PAL with a dynamic cross-photon matrix. I was trying to cook some bison steaks, but it incinerated the whole fire pit, melted the entire grill. Goes to show what can happen if you put a decimal in the wrong place. Cool. On peut l'utiliser en tant qu'arme? A while ago, we found some old non-functional solar panels from before the deluge of fire. I couldn't figure out their function at first. Le déluge du feu. Until I recovered a microcircuitry board and developed a laser spectrography process. I realized that I could help solve some of the issues of my life. I won't forget it. Par contre, I'd be of no use to anybody in this condition. Parce que niveau vie, vous me faites tous pitié là. Ah oui, c'est vrai que toi, attends, t'as un niveau de plus. Alors, attribut. Et on pourrait le mettre à 4. Non, le charisme. On continue à augmenter le charisme, même si c'est pas trop utile. Je sais pas. Constitution par niveau. Allez. Alors, du soin en plus. Ou alors, arme automatique. Arroser et prier. Commandement. Ouais, on va le... Ouais, voilà. Ouais, lui, ça va être vraiment commandement et...
Et le soin, insulter aux ennemis ou disait très bien des expressions, la probabilité de coups critiques. Ouh, c'est bien ça. Alors, utiliser objet ou de soin augmente également la constitution max de la cible de 25% pendant 3 tours. Oh, c'est bien ça. Je suis en train de me demander c'est quoi le plus dur à faire. Enfin, oui, non, mais lui, il est, c'est un soigneur. Donc du coup, c'est mieux qu'il utilise des trucs de soins en fait. Trousse médicale, trousse de sauvetage standard, médecin de combat. 20 ferrailles, c'est tout? Ah ouais, non, c'est bien. Attends, on en a 16 ou on peut en construire 16? On peut en construire 16. Nope, on a eu le double. Parfait. Alors fais voir un peu ce qu'il y a derrière toi. Arme à impulsion. C'est un fusil d'assaut de niveau 10. Très bien. Là, c'est le même. C'est encore le même, ok. C'est exactement le même. Le fusil à pompe, il sert à rien. Fusil précision. Après, on a des armes de mêlée aussi qu'on pourrait mettre. C'est marrant, on pourrait faire Lara Croft avec deux piolets. Sympa. Alors, par contre, trousse de secours ou par un docteur? Trousse de secours. Est-ce qu'on a une trousse de secours? Oui. Nickel. You saved my life. I won't forget it. Ouais, ouais, ouais. Là, creuser. Attends. Est-ce que j'ai changé d'arme? Très bien. Est-ce que tout le monde est chargé ou pas? Ça faut vraiment penser au... Chaque fois que on met une nouvelle arme, la charger. Hein. Très bien. On a un lapin. Des lapins. Ok. Toi, désamorce. On a récupéré une grenade? Non, on n'a pas récupéré. Ça aurait été cool. Ça, on peut le réparer. Auberge géante. Ouh, il y a plein de trucs. Un truc de couper photon dynamique. Oh la vache, c'est quoi tout ça? All right. This
This is Bellamy Ward, PAL operational test number 110. I have adjusted the angle of the solar collectors by 3.12 degrees to improve the energy transmission from the photonic amplification lenses. I've also attached a more sensitive voltmeter to the test panel, so I can hopefully get a more accurate reading of the conversion rate. Everything's set. Here we go. The photon amplification lenses are operating at 60% ambient light, approximately what we would expect on a typical day in Colorado Springs. Checking the voltmeter now. Yes, it's working. Energy storage is 12% above norm. This is better than I hoped. Now, if I can get the storage rate up to 25%, we'll have surplus power running into the batteries each day. For the first time since the deluge of fire, Colorado Springs will have all the electricity it needs. I can't wait to show this to Theo and Megan. They'll be so excited. D'accord, donc des furets congelés. On a un lance-furet congelé. C'est des dégâts de froid, c'est ça? Contre 30% contre les trucs vivants. Il faut la science étrange, on n'a pas de science étrange. Ça fait deux armes, on a besoin de science étrange. Ouais, c'est intéressant, hein. Encore une fois, hein, je reparle pour les deux là. Je sens qu'il y en a un qui va sauter et on va les transformer en science étrange. Je sais pas, quelque chose de spécial. Je pense. Ah, et on peut fabriquer des furets maintenant, des furets congelés. Donc ferraille et tissu musculaire, ok, ça marche. Je pensais qu'il fallait aller capturer des furets. Alors là, il faut du courant. Je pense qu'il faut s'appuyer là. Ça marche. Voilà. Interface, créer un nouveau personnage. Examiner le code de source, la structure du dossier. Fouiller les fichiers, découvrir personnellement, je t'ai appelé. Bellamy Land 3. Le gars fait une carte nommée le jardin de Bellamy. Ça, on va avoir recréé tout son atelier dans le jeu. La seule chose que vous remarquez, c'est qu'il n'y a pas d'ordinateur et que le coffre électronique est directement lié à un générateur. Vous lancez Bellamy 3, votre avatar végétal répare le générateur. Ah, ok, d'accord, c'était un jeu. Ça marche. Oh, mitrailleuse lourde, on en avait besoin. On a plein de trucs. Par contre, ça a fait quoi? Ça a fait grandir la truc ou pas? Non. Ok. Oh là là, plein de trucs encore. Armure 2. Alors. Arme lourde. Brise bunker niveau 3. Et là, on a un brise bunker. Ok. Donc du coup, ce qu'on peut faire maintenant, c'est ça. Parce que c'est vrai qu'aussi, il y a une différence entre les deux. Le lance-lame, c'est 4 et le mitrailleuse lourde, c'est 6. Donc c'est vrai que ça aide aussi. Donc elle, ce serait plutôt l'arme lourde et après en deuxième lance-lame pour l'instant. Et après, lui, ce serait plutôt le lance-lame et après en deuxième mitrailleuse. Donc ok, très bien. Et il faut la recharger. Voilà. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Ah oui, je voudrais les armures. Putain, tout ce qu'on a maintenant. Donc là, on a un armure plus 2. Ça marche. Changer la visibilité. Ah oui. Donc là, on a déjà armure plus 2. Là, on a déjà armure plus 2. Armure 5. T'as combien d'armure en tout? Est-ce que... Bah merde, c'est où qu'ils mettent? Je suis aveugle.
Faut que je sorte. 6. 3. 12, 12. Elle, faut qu'elle s'avance, c'est ça le problème. Donc j'ai envie d'un peu d'augmenter son armure. Mais bon, elle a une armure de merde. Alors que lui, bon, bah, c'est pas si mal en fait. Esquive et armure. Qui a des pantalons? Toi. Nous on a armure et vitesse de combat. Et là c'est esquive et armure. Très bien. Ouais. Cette armure on va pas l'augmenter parce que cette armure c'est de la merde. C'est vraiment l'armure de base. Donc on verra ça plus tard. Quand on aura d'autres. Oh, t'as récupéré quoi? Un cocktail? Ça tue! Ça tue. Oh, il y a un passage là. Ok, est-ce qu'on peut les contourner? Poupée effrayante, perception plus 1. Ah, attends, j'avais un peu oublié aussi. C'est quoi ça? Poupée effrayante. Vous avez trouvé une poupée effrayante. Les poupées effrayantes sont vraiment malsaines, mais elles confèrent de puissants bonus toutes les squads. Les collecteurs vous avantagera pendant le reste du jeu. Ah, cool. La poupée effrayante ne se trouve pas dans votre inventaire. À la place, vous trouverez dans le menu d'archives les cassettes d'électricité obtenues. Accéder au menu d'archives. D'accord. Cool. C'est des trucs à collecter, quoi. On a une grenade réductrice. Cool. Ouais, par contre, c'est les gadgets là, utilitaires. Parce que je sais qu'on en a en fait. Ça, c'est pour les armures. C'est quel type d'objet ça? Parce que je crois qu'on en a récupéré d'autres. Genre ça par exemple? Putain, si j'enlève ça. Ah, ok, d'accord, ça va dans les armures, ça marche. Ça marche, je voulais être sûr. Loup du désert. On peut peut-être les contourner, mais on va devoir. Est-ce que ça vaut le coup d'aller combattre les putains de chiens? Que je peux mettre des trucs de mettre à côté. Oh le bruit que ça fait, les bestioles là. Ouh la vache. Vous
Ils ont pris cher. Autant qu'il avance et qu'il brûle tout le monde. Après, je sais qu'on pourrait... Overwatch. J'espère que l'autre va le tuer. Parfait. Ça, sauvegarde. Recharge, pardon. Amélioration de véhicule, ornement capot. Haha, cool. Alors vous avez vu une amélioration du véhicule, retournez au QG des rangeurs pour installer le Kodiak. Sur le Kodiak, pardon. Ok, cool. Après, on aurait pu les apprivoiser, mais de toute façon, ça reste pas indéfiniment. De 1. Et on va faire une belle sauvegarde. Du coup, on pourrait pas les utiliser contre les ennemis, par exemple. Donc bon. Par contre, je veux voir ce que ça fait ça. Ah, on peut les brûler peut-être. Peut fonctionner à l'air simple, la plupart des fonctions sont automatisées, mais il reste la commande à ajuster. Alors, installer la matrice de couplage de photons dynamiques sur la lentille, appuyer sur le bouton, ajuster la quantité de photons collectés. Je crois que c'est ça. Je me rappelle plus de ce qu'il a dit l'autre. Installer la matrice, photons dynamiques, vous entendez un bref sifflement et sentez l'odeur d'ozone. Ce n'est probablement rien de grave, probablement. Activer la lentille. Ça tue! Je me demande si on aurait pu faire un truc plus puissant encore. Mais là, ouais, ils ont pris cher en fait, les connards. On peut lancer de là ou pas? Non. Hein. Ouais, non. Ils vont devoir faire tout le tour? Sans déconner? Ah ouais, bah là... Ah ouais, les cons, là, vous prenez cher, hein. En plus, on est en... On a un point... On est en... Comment dire? Qu'est-ce que je voulais dire? En haut.
Ah, par contre, tu lances pas loin, toi. Quoi? Ah, j'étais pas dans la... Attends. Là, c'est un peu mieux. Bon bah voilà. Tank. Je pense pas qu'il puisse nous toucher en fait d'ici. Ah ouais, non, on peut pas cibler. Toi, je sais pas où te mettre. Toi t'es mal placé en fait. Ok, très bien. Là, il va pouvoir tout cramer. Oh, t'es sérieux? Tu me touches là, toi? On les a bien défoncés hein, quand même. C'est ouf. Et la vachette là, elle va venir en plein milieu. Oh, il fout le feu autre part, mais c'est énorme. C'est juste magnifique en fait. Je vais voir si on fait au lance-flamme. Ils sont pas encore assez proches pour le lance-flamme. Qu'est-ce qu'on a là? On a le robot. On pourrait les brûler encore plus. Résister à brûlure. Ok, très bien. On va mettre les deux avec la plus grosse défense. ...95%. Je sais pas comment t'arrives à les voir mais... ça ferait 5. C'est 2 ou 3 ça. C'est 2 PA. J'ai peur que si ça avance, il fasse du feu, il la tue en fait, il la touche. Ouais. Si on le met en Overwatch, il va sûrement la tuer, enfin la toucher en tout cas. Total 9. Toi ici, il faudrait qu'on t'avance. Putain, on est mal placé. Enfin, c'est horrible de combattre ici, mais bon. J'avoue qu'on est méga mal placé. On va devoir les laisser venir.
Je voudrais... Waouh, ouais, les gars du feu, quoi. Là, il va faire mal. Ça va. Oh la vache, brûlure partout quoi. 95%. Très bien. On a des PA en plus. Hors de portée, fais chier. 87. Cible bloquée. Ça, ça se passe bien en fait. Ça se passe super bien. Merde, pas mort. Et toi, on me défend parce que t'as... Ah. Parfait. Parfait, il reste plus que cette merde là. Défense. Ils ont beaucoup de saignements à chaque fois, hein. ça me fait un peu chier. Très bien. Parfait. Ouais, ils se prennent toujours du saignement, ça c'est relou. Mais honnêtement, on a super méga bien joué. Je vais être honnête, je crois qu'on a méga super bien joué. Donc elle, c'est notre snipeuse. Je crois qu'on va lui mettre de la... conscience. Fusil de précision. Recette d'artisanat de calibre 50. Et après, vous êtes en chirurgien de votre fusil de précision et votre scalpel. Tracker de mine petit pied, le boss marie autant qu'ils peuvent, sans quoi tous vos orteils. Ou alors charmeur d'animaux. J'aime bien, honnêtement, le charmeur d'animaux, c'est vachement bien. Sortez à côté premier fil et pur de votre être. Dégâts des attaques furtives. Ouais, moi je dis plus ça, et puis après on prendra l'habilité là. Faut augmenter, je sais pas quoi, fais voir, avantage. Alors ça c'est quoi? Vous déclenchez plus les mines lorsque vous marchez dessus. Bon, ça c'est pas vraiment intéressant. Truc d'animaux. Les animaux familiers vous accordent de meilleurs bonus lorsqu'ils vous suivent. Ouais, ça en passif, ça peut être pas mal. Les animaux familiers gagnent un bonus de... Nous on a quoi? Nous on a récupéré ça. Désamorcer les mines, 33% de chance de vous faire obtenir une grenade. Ouais, il nous faudrait plus d'avantages en fait. Mais ça c'est pas mal. Tu vas travailler mal, famille tombe à 25% de conscience, vous gagnez 50% de gravité de coups critiques et plus de PA. Moi j'aime bien ça. Genre ça serait du passif à encore mieux. Je trouve ça très bien. Non? Voilà. Toi... véhicule et robot. Quoi ça?
Parce qu'au fait, maintenant, il faut regarder en fait les avantages aussi. Hein. Alors, tout le monde, mécanique. Matériel déployé gagne 25% de construction et 25% de dégâts. Ouh, ah oui, genre les tourelles et tout ça. Ta consomme engouffre désormais les cibles, réduisant leur précision de moins 15%. Ah ouais, non, d'accord. On peut spécialiser un mec dans le lance-flamme, en fait. Démontage a désormais des chances de donner des modes d'armes. Waouh, ok, c'est fou. On va continuer de les augmenter en force, ces deux-là. D'accord, on peut avoir deux tanks, honnêtement. Deux tanks, c'est pas mal. Les deux, là. Deux tanks, beaucoup d'armure, beaucoup de vie. Il n'y a que ces deux armes, en fait, en armes lourdes. C'est un peu bête. Je pensais qu'il y aurait pu avoir autre chose. Mécanique, robot et véhicule. Trousse de réparation. Allez, on va faire ça. Modification d'armes. Toi, t'as quoi? Toi, t'as déjà 4 modifications d'armes. Alors on va les garder, nos deux tanks. Je pense que ça peut être pas mal. On va par contre peut-être les refaire. Genre elle, on va peut-être la refaire. Thunder. Zeus, on va peut-être le garder, mais Thunder, on va peut-être la refaire. Parce que l'explosif, en fait, sert strictement à rien. C'est vraiment que ça, en fait, qui sert à rien. J'ai envie de dire. Armure. Toi, on va faire arme pour plus de ferraille et fuite électrique, piratage, mécanique, contre les robots. Voilà. Je pense que c'est pas mal. Simien en titane. Alors, fais voir un peu. Fais-nous rêver. Alors, c'est pour le capot. Blastron niveau 2. Ok. Jambière d'éclaireur. Très bien. Fabrication. Cool. Ah, recette découverte tourelle de combat. Tourelle de combat. Sans déconner. Alors, on a des jambières. Ça, il faut force 3. Je t'as pas la force 3. Toi non plus. Ouais. Bon, c'est pas grave. De toute façon, l'armure, elle est pas l'air stop. C'est armure 4. C'est pas énorme en fait. Par contre, il nous faudrait une grenade en plus. Ah, vous avez vu hein, les grenades et tout ça. Ça aide. Hein. Ça aide vachement. Comme j'ai dit, hein, vu qu'on est, y a beaucoup d'ennemis. Des leurres projettent et trompent les cibles pour inciter à les attaquer. Tourelles de combat, putain, on va pouvoir faire ça. Si on trouve des châssis de tourelles à chaque fois, on pourra pouvoir faire des tourelles de combat. Et du coup, là, on les donnera à notre mec électrique, en fait. Oh, ça peut être pas mal. Hein. Ceinture de combat, tactique offrant un placement supplémentaire pour Ranger. Les objets de visage rapide pratiques dans le feu de l'action. Titane. Réparateur, longueur de casque pour rédiger l'énergie de certaines attaques et sauver la vie du porteur. Putain, on peut faire plein de trucs. Ça, je me demande si ça vaut le coup, en fait, de directement les faire, parce que c'est... Ça, c'est en plaque réfractaire. Ah oui, c'est vrai que les casques, on peut aussi les modifier, les casques. Genre là, on a... Ah oui, alors on va tester un truc. Sauvegarde. On va tester. Alors, là, par exemple. On a plaque... à réfraction. Armure 1, résistance critique 3.
plaque de... Donc ça, c'est ça. Armure 1, Resident Evil 3. Et ça, ça fait quoi? Je peux pas voir... Je peux pas voir le résultat. Afficher les stats. Ah! Si. Armure plus 1, résistance critique plus 6. D'accord, donc on double la résistance au critique. C'est pas mal. C'est pas mal. Initiative, pardon, 35%. Ouais, mais ça c'est pour... non, mais c'est mieux de faire des tourelles. Matrice à LED. Là, ça ferait armure plus de moins 2. Bonus de dégâts des mêlées et à distance. Mode d'armure pour les casse. Oh, ça, ça serait bien pour la tireuse. La snipeuse, peut-être. Ouais, la snipeuse. 10% de dégâts en plus à distance. Ce serait intéressant. Dégâts plus 4. Et là, on a dégâts plus 2. Ah, mais tout ça, ça peut être vachement utile en fait. Visée à pompe et lance-flamme. Angle du cône plus 15. Mais après, le cône, il va être énorme. Bon, le problème, c'est qu'on peut pas récupérer les choses, en fait. C'est ça qui est chiant, quoi. Si on a un très haut niveau, est-ce qu'on peut? Genre, déverrouille, vous faites armure, on répare les impacts de balle de temps en temps. Soin aimant. Oh, c'est pas mal, ça. Non, je sais pas si on va pouvoir récupérer les mods un jour ou l'autre. Parce qu'encore une fois, ça fait un peu chier de mettre des mods sur des armures qu'on va potentiellement jeter. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je pense pas qu'on ait vraiment besoin d'augmenter plus que ça. Enfin, quoique, ça peut toujours nous aider, en fait. Hein. Ça peut toujours nous aider. Désolé, je prends du temps, mais faut bien réfléchir, on est en mode difficile. Le châssis de la tourelle, on le garde. Donc là, c'est vitesse 1, armure 3. Armure 4. Très bien. Et j'avais dit qu'il nous faudrait des grenades. Très bien. De ferraille, c'est déjà mieux. On va pas se soigner. C'est parce que je pense qu'on a tué tout le monde, donc on a des nouvelles armures maintenant, quoi. Aïe aïe aïe. Alors 5 de force, armure 5, et là on a une armure tactique. On a une mercenaire armure 5 avec bonus de soin 10, ça on va le garder. On a quoi? Armure 7. Donc du coup, toi on n'a pas vraiment besoin de te mettre des armures en plus. Par contre toi si, on va mettre ça, armure 5, très bien. Et après on a ça, armure 5. Là c'est armure 1. Ah ouais, elle est devenue résistante en fait, elle, hein, maintenant. 18 d'armure, l'autre il a 13. Ça va, ça c'est cool. Armure de ferraille. Ah, il me faut force 3, on n'a pas force 3.
Carmosé, Manafos, ouais, c'est que des cadavres. Ils sont tous morts, quoi. Donnez une minute à Lucia. Vous voyez vos proches? Non. Je ne peux pas voir une chose. Qui ferait ça? Qui ferait meurtre des familles et des enfants? Qui ferait les brûler tellement mal que nous ne pouvons même pas dire... Je ne sais pas si ils sont ici ou pas. Je ne peux pas... Come on, let's find the monsters who did this. On les a pas tous tués. Examinez les corps plus attentivement. Cadavre d'un enfant semble recroquevillé sur quelque chose, comme s'il voulait protéger ou le cacher. Prendre le paquet des bras de l'enfant. That was one of the Skylar girls, I think. Seems like we ought to leave her alone. Feels an awful lot like grave robbing. Ouais, mais bon, on est obligé. Objet obtenu, ça marche. De toute façon, c'est pas comme ça, c'est pas comme si ça sera utile pour l'enfant. Je sais pas vraiment ce qu'on a récupéré en fait. Poulet cyborg. Ah, c'est un des poulets cyborg. Suis-nous. Attends, est-ce que tu nous suis ou est-ce qu'il faut... Yes, tu nous suis. Ok, donc on va pouvoir le ramener à la ferme, parce que c'est un des bah, poulets cyborg perdus, j'imagine. Côte, côte. Tourne la tête de côté, observe sa gueule à la fois. Au revoir. Bon, bah cool. Donc on a notre poulet cyborg. Tu nous suis bien, hein, le poulet. Ouais, ok. Ok, ça c'est la suite. On va d'abord continuer à faire le tour. Je vais sûrement louper des choses. Qu'est-ce qu'on a bien fait de faire tout ça là? Vraiment cool quoi. Vraiment très content de ce qui s'est passé. Je sais pas si on la soigne ou pas. Bon, ça, ils ont l'air inoffensifs. C'est bizarre qu'il les ait pas tués, eux. I'm Isaac Reed. On behalf of all of us here, I want to offer our unconditional surrender. As proof of our goodwill, I want to tell you that the culprits got into town with help from Farron Brigo's organization, and... Isaac, how could you? How could you throw in with these people? How could you let them take my family? Where are my parents and my little brother? Wow. They're in the grave you passed on the way here. They didn't suffer, Lucia. I promise. Baby, look. I didn't mean it to go this way. I tried to stop them. I really did. I begged. Stop talking right now. Vous aidiez les Dorsey, dites-vous comment ces gens sont morts. Vous les aviez aidés à tuer la famille de Lucia, vous espérez un pardon. Not forgiveness. We want to face justice. We know what we did is wrong, but... Mais... It was Nelius Dorsey. He went looking for your family, Lucia. Your family especially. That's why I got you out of your house before the raid. I didn't want anything to happen to you. You didn't want anything to happen to me? So you let savages abduct and murder my family. You knew what they meant to me. You knew what their loss would do to me. But you're still alive, Lucia. Don't you see? You're still alive, and that's what matters most to me.
Joué Nélus d'Orsay. He escaped. He took some vehicles and headed west into the mountains. I don't think he was planning to come back. We've been under the Patriarch's boot for 50 years. We say that the 100 families are in charge, but it's really just his family. Just him. I know you must think I'm a fuzzy-headed idealist, but this society is sick. It needs to change. Farron Brigo's gang helped them get into town. I don't know how or why. And I overheard Neelius say something about Liberty Buchanan, the Patriarch's daughter. I think she's going to attack Colorado Springs. It sounded like she's gathering an army out in the plains. Something way worse than the Dorseys. I have heard enough. If your betrayal of my family was sufficient, your treachery here most certainly is. In the name of the Patriarch, I sentence you. Please, Lucia. I did this for you. All I ever meant was to help build a better world for you. For all of us. I can't tell you how much I regret. Please don't kill me. Please. Ce type est une raclure. Ouais. Please, Lucia. I love you. Bon, par contre, tire bien au-dessus de mon épaule, hein, pas sur moi. Elle appuie quand même sur la gâchette. Il va s'y un filet de sang s'échappe de ses lèvres, une flaque de sang s'étend autour de lui. Il tourne la tête vers Lucia. L'agonie se lit sur son regard, sa mort sera lente. Achevez-le, vous avez choisi de lui ôter la vie, alors allez jusqu'au bout, laissez-le au-dessus de son sein, il ne mérite pas mieux. On va le finir, comme ça c'est pas elle qui l'aura tué. Pourquoi c'est elle qui tire ? Vous administrez le coup de grâce, est-ce encore à parcours de condition vu sous cet angle, il ressemble à n'importe quel autre gamin et pauvre garçon paumé dont la cervelle se répand derrière de sa tête. Retourne, réprime une réaction de cœur, de sanglots, difficile à dire. Isaac, lui, pousse un dernier soupir. Psychos! You killed Isaac! You kill us all! Oh merde! Zéro. Bon, ben on tue tout le monde alors. Si vous voulez tous nous casser les couilles. Là on a les trois en fait, on n'a pas, ouais non sinon on serait là. Très bien, pourquoi t'as que 35% sur eux? Ça fait quoi? C'est sa charge de cibler une zone spécifique d'un ennemi pour lui infliger des effets particuliers. Ça fait quoi ça exactement? Ah oui, non, c'est ça, d'accord. Non, pas besoin. Quelle merde. Ça me fait chier tous.
On est tellement mal placé, ça me rend fou. Je sais pas quoi faire, j'aime pas qu'on est comme ça. On va les laisser exposer, hein. Ah, vas-y, poulet. Tiens, défoncé par la vachette. Toi, défoncé par un poulet cyborg. Magnifique. Magnifique. C'était la merde, mais on a tué tout le monde. November 1. This is Ranger HQ. We're getting reports of shooting in your last known location at Garden of the Gods. What's your status? Over. Sommes occupés des Dorsey, pas de survivants. Nous avons tué toutes les ordures de Dorsey et les gamins des 100 familles qui les aidaient. On va pas en parler des familles. Kick ass, November 1. Glad to hear justice has been done. Over and out. Parfait. Pistolet semi-auto. Beaucoup de couteaux. Très bien. Alors, foie artificielle, techno-cyborg, intéressant. Je me demande si... Ouais, si on a un... Parce que dans le 2, je me rappelle qu'il y avait des trucs bizarres, genre des gens qui venaient avec nous, mais qui étaient un peu étranges. Genre mutants, ou des trucs comme ça. Donc là, on pourrait avoir un cyborg, peut-être. Genre bonus de soins et tout. Intéressant. Mais j'aime beaucoup. Ouais, on est bon. Voilà, c'est très très bien passé cette mission. Mais moi, faut que... Putain, ça fait 2h30 que je suis dessus. Là, j'ai fait une session de 2h30, honnêtement, j'ai pas vu passer le temps. J'aime beaucoup. You let me shoot him. Never shot anybody before today, and now I've gone and shot my boyfriend. I mean, my ex-boyfriend. C'était son copain. Ex in more ways than one, I suppose. Oh God. Ex de plus. And I couldn't even finish him off. Eh ouais. I needed your help to do it. Now he's dead, and ouais, I'm mais to blame. C'était un connard. C'était à cause d'Isaac, c'est lui qui a choisi le chemin. C'est vrai, si vous n'étiez pas venu, il serait peut-être encore en vie. Waouh. Ok, non. Still, I pulled the trigger. Oui, mais tu l'as pas the tué. Choice was mine. I could have. I could have let him live. Now. Now he's dead, and the only memories I have are of him begging for his life. Ouais. I need to find the people who steered Isaac wrong. The people who were really responsible, Neelius, Dorsey, and Liberty Buchanan. Would you help me find them? Ouais. You can count on my guns every step of the way. Yes. Oui, on vous aidera en contrepartie, vous suivez les ordres à la manière d'un ranger.
Ah, vous avez passé le jardin, ça s'arrête là. Ah, on pourrait vraiment être un connard. Of course. Good. You've got yourselves a bargain, Rangers. Parfait. We should go after Nelius Dorsey first. Isaac said he headed west into the mountains. No doubt he plans to hole up at one of the old resorts from before the bombs fell. Après, le coup du revolver, c'est pas mal, hein. Ça fait des bons dégâts, ça tire plusieurs fois. I don't think we're ready to face him yet, though. C'est pas si mal. Nelius will be dug in, I expect, and he'll have all his best people with him. He only left behind the expendables in the garden. Ça marche. I thought she said she was gonna follow orders, not give them. For now, we should head back to the sheriff. Est-ce que j'ai envie de dire Shut your hole. I knew you slept with my wife. Hey, slow down. I didn't, I swear. Qu'est-ce qui se passe encore? Got bedroom issues. This city can't survive long, but I wouldn't give for a sunny day. D'accord. Vous avez changé de voix quand on vous parle, c'est marrant ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, après, je sais pas trop si vraiment elle a un avantage. Bah, c'est vrai que c'est bien le revolver, mais... C'est que ça... Faudrait en fait la mettre bah, devant. Faudrait la mettre devant. Bon, par contre, on a récupéré plein de trucs, ça c'est bien. Pour qu'elle soit vraiment efficace. Après, elle peut pas avoir genre utilisé deux revolvers en même temps, si on en lui en équipe deux. Genre, y a pas ça. Franchement, nettoyage. Plus rapide que son ombre dans la fusillade, chaque seconde compte. Abattez-les avant qu'ils ne comprennent ce qui se passe. Dévastation, rassemblez toutes les déchaînées, la foudre. Contre-offensive, ne sortez pas un couteau en pleine fusillade. Ouais, je sais pas vraiment. Parce qu'elle a pas de force. Elle a pas de force, donc du coup elle a pas de vie, donc on peut pas la mettre en plein milieu du combat. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ouais. Je sais pas si elle est vraiment très utile, notre copine. Toi t'as lèche-cul. Lui on va le garder dans ces deux trucs là, surtout. Voilà, très bien. On va augmenter ça. Et en avantage, donc là t'as... Temps de détection, on s'en fout. Quand il est immobilisé au combat, vous gagnez 1 en vitesse de combat pendant 2 tours. C'est pas intéressant. Les ennemis que vous attaquez avec des fusils d'assaut perdent 40% de leur couverture. C'est quoi? Exterminer un ennemi avec 2 fois plus de balles de pistolet mitrailleur que vous attaquez normal, mais moins de pression. Applique ralentissement. Ça c'est pas mal ça. Fusil d'assaut perd 40% de leur couverture. Si on est d'accord, toi tu utilises un fusil d'assaut. Ouais. Qui a compétence d'armes, c'est toi. Bon, je crois pas qu'on a besoin d'être sur le personnage encore une fois. Semi-automatique niveau 5 et là on a des niveaux 1. x4. Ça marche. Voilà, on va sauvegarder. Je vais faire une petite pause. Mais ça s'est bien passé, je suis content. C'est vraiment cool.